la montagne de Buzu. Elle soutenait le ciel avant la guerre. La halle du clan Yandi. Il paraît que les fêtes ici étaient folles. Le peuple de Gongong avait des campements ici. Apparemment, c'est tout ce qu'il en reste. J'imagine que c'est par là que Gongong se faufilait dans le domaine céleste.
J'imagine que Gong Gong est passé par là. Qu'est-ce qu'on fait ici, Seigneur Gong Gong ? Il attend, champion. Les flammes réclament un combat, alors on va se battre ici et botter l'empereur à l'endroit le plus mou derrière sa robe. Tu en es sûr ? Les flammes devraient... Oui, presque sûr. Je le ferai bien moi-même, mais tu vois, je ne suis pas très doué pour voler. Thank you.
clé au monstre a-t-elle ranimé les flammes ? Pas vraiment. Tu as pensé à lâcher une phrase bien humiliante pendant le combat ? En général, ça aide lorsque... Seigneur Gongong, j'ai une mission très sérieuse. Récupérer les flammes des Yandi pour refermer la balafre. La balafre ? Ah oui, cette balafre. J'ai perdu plein de gens bien ce jour-là. Oui, Seigneur. Comme beaucoup d'entre nous. Il y a eu plus grave encore. Pour la toute première fois, les flammes se sont éteintes. Et j'ai perdu une partie de mon pouvoir et de ma force. Ce qui explique pourquoi tu te cachais l'autre fois. Et pourquoi... Ne me cachez pas. D'accord. Enfin bref. Seigneur Gongong, tu as dit que les flammes représentaient le feu dans le cœur d'un guerrier. Et les légendes disent la même chose. Le cœur du guerrier ? Tu as raison ! Il faut que je montre à mes ancêtres que je suis toujours là ! Tes ancêtres ? Encore ? Tu es sûr que c'est bien eux le problème ? Wow, wow, champion ! Ils nous entendent peut-être, et ça peut ne pas être bon pour nous deux. Surtout pour moi. Suis-moi jusqu'à la halle de notre clan, au sud de cette sortie. Non, je ne dirai rien cette fois. Les légendes disent que Gongong a un jour essayé d'empêcher une inondation à main nue. Ça montre qu'il a un grand pouvoir sur l'eau, mais quand même, il fallait du courage. Ah!
connais cet endroit. Buzu a été victime d'importantes inondations jusqu'à l'arrivée de Gong Gong. Mais malgré ses efforts, il n'a pas pu éviter à toute la région de devenir une attraction pour touristes. Il paraît que Gong Gong a amené son clan à transformer des terres désolées en champs fertiles qui l'ont nourri. Je trouve que c'est beaucoup de travail pour un seul repas. Mais bon, je dis ça. Hey !
Thank you.
Cet hexagramme Gua est lié aux propriétés de l'eau, c'est ça? Le Kan Gua. Je suis impressionnée que tu le saches. Je suis plein de surprises. Enfin, de bonnes surprises.
Mutu ? Le... Le fils de Gong Gong ? Mais... On a toujours cru que Gong Gong avait une fille. Bah... Garçon ou fille... Quelle importance ? L'important, c'est que tout le monde soit heureux.
jure allégeance à la balafre. L'énergie du chaos te rendra alors plus fort. Plus fort que tu ne peux l'imaginer. D'accord. Mais si tu descendais me montrer à quel point tu es fort, toi, hein? Patience, mon petit. C'est très profond.
Tu auras de nouveau l'occasion de m'admirer.
hexagramme célèbre la majesté et la chaleur du feu. Une spécialité du peuple de Gongong. Je n'aimerais pas l'affronter dans une guerre des flammes. Ni autre part, d'ailleurs. Tu vois cette muraille de forteresse ? Nos troupes observaient de là, aux côtés de nos ancêtres. Ils attendaient qu'on allume le fanal de guerre, avant de charger. Ah, c'était le bon temps. Et tes ancêtres sont là ? Tous les guerriers morts de ton clan ? Les dieux ne meurent jamais vraiment. Ils sont juste moins présents, tu vois. Mais ils sont parmi nous. À nous écouter et à nous juger. Peut-être que si je n'avais pas causé la grande chute du pilier du ciel, mes ancêtres m'écouteraient toujours. Quoi ? J'ai brisé cette montagne. C'était toi ? Mais pourquoi ? Ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est les remettre de bonne humeur et faire s'allumer cette flamme. C'est notre but à tous les deux, d'ailleurs. Désolé, mais est-ce qu'on peut revenir au moment où tu as condamné tous les domaines célestes et terrestres ? Champion, je t'expliquerai lorsque tu m'auras envoyé mes guerriers. Même dans la mort, ils doivent répondre à l'appel. Et tu es certain qu'ils vont venir ? Ils le doivent. C'est comme ça. Allez. Bien. Comment avez-vous survécu à la balafre ? Nous avons vécu sur Terre pendant des générations. J'imagine que cela a étiolé notre lien avec le monde céleste. Oh. Alors la balafre vous a raté, tous les deux ? Comme les derniers grains de riz dans un bol. Oh.
pas des trucs un par un? Incroyable. Shian Liu, le démon à neuf têtes, qui dévore les humains et donne la pétoche aux autres. Apparemment, Gong Gong et lui s'entendaient bien. Ce qui me fait douter de ses choix en amitié. Ah. 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 Ah.
Je me demande pourquoi Gong Gong a laissé un mémorial pour un monstre tel que Xian Liu. Voilà une bête à plusieurs têtes, géante et mangeuse d'hommes. Je dois l'honorer après avoir érigé ce monument à la gloire des intoxications alimentaires. Yeah.
courageux qui sont restés auprès de Gong Gong jusqu'à la fin. Gong Gong leur a inspiré une telle fidélité. Ah.
ces guerriers vont réagir au Fanal. Et peut-être ramener Gong Gong à la raison. Thank you.
J'ai déjà fait ce que tu as demandé, et j'ai rencontré tes guerriers. Ils ne viendront pas. Tu les as vus ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Les fanaux ? Ils ont fonctionné ? Mes fidèles compatriotes, vous revoilà. Nous nous joignons au Seigneur Kangong. Il nous a appelés. La guerre est terminée. Les deux clans ne sont plus. Mais mon héritage, ancêtre. J'aurais dû périr lors de cette bataille, Ku. Avec mes frères et mes sœurs, ils ont combattu. Et soudain, une force obscure. Ils ont été mis en pièces, sans aucune pitié. Et pendant ce temps, ce ricanement qui résonnait tout autour de moi. J'ai ressenti une rage m'envahir. Mes ancêtres ne connaîtraient jamais la justice. J'ai frappé la montagne de toute ma fureur. Je voulais que tout disparaisse. Y compris moi. Seigneur Gongong, je suis désolé. J'ai essayé de mener une vie qui ferait la fierté de mes ancêtres. Et à la fin, après avoir échoué, je n'ai même pas réussi à me tuer. Seigneur Gongong, ton peuple t'aimait. Même dans la mort, il répond à ton appel, comme tu l'avais dit. Alors tu as forcément fait quelque chose de bien. Seigneur Gongong, au revoir. Rappelle-toi. Mes fidèles compatriotes, vous méritiez mieux. Je crois que tes ancêtres t'entendent toujours, Seigneur. Mais peut-être que... qu'ils n'approuvent pas ce que tu es aujourd'hui. Cela fait longtemps que je ne leur ai pas parlé. À eux tous, je n'ai aucune idée de ce que je vais leur dire. Rodo ? Mon petit bonhomme ? Qu'est-ce que tu fais là ? Le légendaire chien de garde et compagnon des seigneurs du feu de Yan ? Seigneur Gongong, j'ai dépêché cette créature afin qu'elle te transmette mes remerciements. Vraiment ? Pourquoi ? Pour nous avoir débarrassés de cette montagne, Seigneur. De tout le monde céleste, tu étais le seul assez fort pour le faire. Mon peuple, ce jour-là, c'était toi ? Une chipnode, destinée à orienter ta violence dans la bonne direction. Des dommages collatéraux, Seigneur. Pitié. Et toi, vas-tu venger les vies condamnées par Gongong, petit ? Ressens-tu bouillonner cette rage ? Le seigneur Gongong est honorable et intègre. Il corrigera ses erreurs. Mais pas avant que nous t'ayons corrigé, toi, pour ce que tu as fait ! Je n'attends que ça. Ah!
désolé pour ton chien. Ce n'était qu'une ombre. Le vrai est mort à l'âge vénérable et auguste de 6000 ans. 18 en année humaine. Tu m'accordes une seconde ? Ancêtres, entendez-moi. J'ai respecté vos désirs pendant des générations et combattu avec honneur aux côtés des plus grands guerriers de l'histoire de notre clan. Mais à compter de ce jour, je renonce à mon statut de seigneur de la guerre du clan Yandi. Je contribuerai à réparer les torts que j'ai causés. Et il y aura toujours des raclés, je le jure. Mais je dois... De grâce, ne me méprisez pas. J'ai vraiment cherché à faire votre fierté, mais aujourd'hui, je dois faire ce qui est juste. Mes bonnes actions vous rendront honneur, ainsi qu'à nos morts. Notre nom perdurera. Oh, merci, ancêtre. Tu savais que ça marcherait ? Oui, naturellement. Tu sais, champion, pendant que j'étais dans les airs, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai compris ce que tu voulais dire. Les flammes refusaient de s'allumer pour une cause perdue. Tout est clair maintenant. Et laisse-moi deviner, comme ta force est revenue, les raclés vont commencer, c'est ça ? Les popotins vont souffrir, oui. Il va payer pour ce qu'il a fait. Mais avant, nous allons refermer cette balafre. Ensemble. Je suis sûr que la déesse Nuwa sera ravie de t'entendre lui annoncer la bonne nouvelle. Nuwa ? Elle est vivante ? J'ai toujours su que c'était une coriace. J'imagine qu'elle est à l'endroit habituel. Bien sûr. Qui d'autre aurait pu avoir la tête assez dure pour défoncer un pilier du ciel ? Je ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte, mais... Merci. Je vais arranger les choses, Nuwa. Je compte sur toi, Gong Gong. Sur nous deux. Ugh.
Allez, il est temps de s'y mettre maintenant. Nous avons maintenant les essences du ciel et de la terre. Il est temps de commencer. Ah, oh, ça va être trop cool! Prêt? Je suis la préparation incarnée. L'équilibre, l'union du céleste et du terrestre, la pierre aux cinq couleurs. Maintenant ou jamais, Noa. Ko, regarde cet endroit. Qu'est-ce que tu vois? C'est ta maison, déesse. Notre maison. Pourquoi cette question? Cette forge représente la somme de tout mon savoir. Lorsque j'aurai achevé ma tâche, la population de ce monde aura besoin d'être guidée. Et je te confie ce travail. Je sais que ta bonté et ta volonté sauront inspirer ces gens. Déesse, pourquoi me dis-tu ça maintenant et... Solution, Ko. Non. Je t'en prie. Ko, sois heureux. Viens, Gong Gong. Sèche tes larmes. Le meilleur est à venir. Ça suffit, les énigmes! Dis-moi qui tu es! Dans une autre vie, on m'appelait Tao Wu. Je faisais partie de tous ces crétins célestes, empêtrés dans des mesquineries éternelles et sans intérêt. La balafre n'avait pas ce genre de défaut. Je suis au service de sa noble mission. La balafre cherche à corriger notre univers, mais sa fin est infinie. Elle avait besoin de Dieu, et je les lui ai donnés. Sauf deux. De quoi est-ce que tu parles? Noa et Gong Gong. Ici, ma portée est limitée. Mais toi, petit, tu t'es montré magnifique. Tu n'as pas simplement donné aux dieux ce qu'ils voulaient. Tu leur as offert l'espoir. C'est toi qui m'as ramené? Pourquoi? Parce que je t'aime bien, Ko. Tu n'es pas un suiveur. Tu es résilient. Tu as su identifier les erreurs des dieux et les remettre sur le bon chemin. Ils ont la pierre aux cinq couleurs, crétin. L'équation de l'équilibre est complète. Complète? Tu crois vraiment que ce joli presse-papier est la clé? Noa te traite toujours comme un enfant. Malgré toutes tes prouesses. Le céleste au-dessus, la terre en dessous, et la vie qui prospère. Déesse Noa, non. Tu ne gagneras pas. Je ne te laisserai pas faire.
Accroche-toi à cette idée.